D'extension de la Raspberry Pi, j'ai nommé la Guild Board. La Guild Board est une carte semi-officielle qui gère les entrées-sorties de la Raspberry Pi et qui permet d'étendre les possibilités offertes par les GPIO. Elle se présente dans son emballage. Alors, on a quelques indications de sécurité d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, on a un certain nombre de connecteurs qu'on pourra utiliser avec les pins de la carte, un certain nombre de jumpers, on verra après à quoi ils peuvent bien servir, et des petites entretoises en plastique pour supporter la carte. Quant à la carte, elle est disponible sur plusieurs formats. L'un des formats est un kit qu'il faut souder soi-même. Dans notre cas, on a une carte pré-soudée, prête à l'emploi. Elle est conçue sur un principe modulaire qui permet à ces modules d'être interconnectés. Il est à signaler qu'il est nécessaire de se munir d'une alimentation d'au moins 1 ampère pour pouvoir utiliser cette carte. Elle est composée de 12 entrées-sorties à ce niveau, d'un certain nombre de LED que l'on peut commander, de 3 boutons poussoirs à ce niveau. On a ici un accès direct au GPIO de la carte. Elle dispose aussi d'un microcontrôleur Atmega avec 28 entrées-sorties à ce niveau. La carte dispose aussi d'un driver pour 2 moteurs à courant continu. Qui peuvent supporter une tension de 18 volts et un courant de 2 ampères. Il est à remarquer l'existence d'un fusible de 2 ampères à ce niveau, afin de protéger la carte. La carte dispose aussi de 2 canaux de conversion analogique numérique, d'une résolution de 10 bits, et de 2 canaux numérique analogique d'une résolution variable entre 8, 10 et 12 bits à ce niveau. Pour finir, elle dispose de 6 drivers que l'on peut commander qui supportent une tension de 50 volts et un courant de 0,5 ampères. La carte se connecte directement sur les GPIO de la Raspberry Pi via ce port. C'est tout pour cette courte vidéo de présentation de la Guild Board. Dans les prochaines vidéos, nous allons étudier en détail et avec des exemples chacun de ces modules. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos ou en découvrir d'autres. Sachez que vous pouvez nous rejoindre sur notre page et notre groupe sur Facebook pour poser vos questions, partager votre expérience et interagir avec tous ceux qui s'intéressent au monde de l'open source hardware en Algérie. Pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.